Water's Witness, le titre de l'exposition, a un double sens pour moi. D'une part, c'est le témoignage que l'eau et les ports sont par rapport à leur ville et les lieux où ils se trouvent. Donc c'est l'eau qui entend, c'est l'eau qui restitue, c'est l'eau qui garde une trace quelque part avec ses ports et leur histoire. Et d'autre part, c'est les personnes, qui allons de port en port et sommes témoins de ce qui s'y passe et collectons les choses à travers l'eau et ce qui se passe là-bas. Donc il y a une double dimension à ça et c'est un peu l'idée de départ aussi. J'ai beaucoup aimé ce titre que mon ami Raimundas Malasauskas va inspiré parce que ça me ramenait à l'hypothèse de départ de qui était de considérer que le port et ce qui l'entoure parle beaucoup de l'intérieur et de ce qu'il a engendré dans les villes qui ont commencé comme étant un port. Et donc voilà, c'est Water's Witness est très précieux pour moi. Alors, entre l'exposition à l'intérieur et l'exposition à l'extérieur, il y a avant tout le lien des matériaux. C'est les mêmes éléments, les pierres, le métal, le compost, qui sont encore là, mais qui sont en train de dialoguer autrement cette fois-ci. Ça, c'est une première connexion entre les deux choses. La deuxième chose, c'est les sons, c'est-à-dire la composition sonore qu'il y a dans cet espace et aussi à l'extérieur. On la vit et on s'en rend compte différemment. Mais la dimension qui se rajoute dehors par rapport à l'intérieur, c'est que la pièce dehors est en conversation avec son entourage. Et ce que je veux dire par là, c'est que les arbres jouent un rôle essentiel dans la pièce à l'extérieur, dans la mesure où les sons des ports, d'autres sons, passent par l'arbre, par un des arbres, et sont récupérés à l'extrémité de l'arbre par un micro. Donc on entend tout à travers un arbre. Déjà, les pierres ont leur acoustique, le métal a son acoustique, le compost aussi, l'eau aussi. Et donc, on est déjà d'abord en train d'envoyer le son des ports, tous les sons, dans ces matériaux et qui passent après dans l'espace. Donc, c'est vraiment cette idée de son dans un espace, l'espace de la pierre est dans le grand espace. Et ici, c'est un espace qui a beaucoup d'écho, de réverb. Donc, au début, on était un peu inquiet sur... Ok, est-ce que ça va être clair ou est-ce que ça va juste créer un brouhaha dans cette chapelle et en fait non, parce que justement c'est cette idée de petits espaces qui sont conjugués dans le grand espace qui donne une grande flexibilité et en fait la proposition sonore ici est très belle et marche vraiment en symbiose avec le lieu et sa nature. Le livre qui vient de sortir, c'est le troisième de la série de Water's Witness. Chaque expo, chaque fois que le projet est montré, il y a un port qui se rajoute, il y a l'histoire qui se complète et qui se complexifie. Et le principe de ce livre est très simple, c'est-à-dire on l'a voulu comme un magazine de géographie, un peu comme un National Geographic, quelque part, qui relate l'histoire avec cet empilage, cette superposition de destination, et où il y a toujours un forward, un texte par une personne qui est reliée au projet, tel que Raimundas Malasauskas, comme je disais, ou Maria Talia Caras, avec qui j'avais fait la première étape à Athènes, après Eric Lacasa, et dans le troisième livre est celui, le livre du Muda, mais c'est le troisième livre, et donc là-dedans, on s'est pas mal penché sur les techniques d'enregistrement, sur comment on enregistre un port, comment on écoute quand on arrive quelque part qu'on ne connaît pas, comment on trouve notre place dans des situations aussi qui sont pas culturellement les nôtres. Et là-dedans, Eric Lacasa et moi avons une très belle conversation qui relate plein de moments intéressants du projet. Et bien sûr, dans tout ça, il y a les photos et les collages d'Alexandre Guirkinger, mon ami photographe et super
manipulateur d'images et donc vraiment une très belle proposition de collage de photos qu'il a faites avec nous à la chambre pendant qu'on a enregistré, et d'autres éléments qui sont présents dans l'exposition, donc les bronzes, les marbres, les instruments, mes mains, tout se retrouve un peu récupéré par l'univers de Alex, ainsi que les photos de Eric aussi sur ce livre, et retravaillé. Et c'est esthétiquement une proposition que j'adore. Ce troisième volet est très abouti pour moi, et je suis très content qu'aujourd'hui soit son premier jour.